Bienvenue les amis et bonjour à tous mes cafardinos. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois sur une vidéo. Là, il va falloir s'exprimer dans les commentaires parce que je pense qu'il va y avoir des déçus. Voilà, je vais revenir sur le parcours de Vitality pour ces IEM Cologne 2021 qui se joue en LAN. C'était le grand retour des événements IRL. Je pense qu'on l'attendait tous, on était impatients et je peux vous garantir que j'ai regardé la majorité des matchs. Je suis pas déçu du contenu que je vois, je suis pas déçu du niveau que je vois, mais je suis un peu déçu de Vitality. Mais il y a quand même G2 pour nous donner un espoir qui, eux, se sont qualifiés pour les playoffs. Et Vitality, pour le coup, bah voilà, malheureusement, élimination. À élimination, phase de poule, donc je ne sais pas. On va essayer de voir un petit peu, on va essayer de décortiquer tout ça et comprendre ce qui s'est mal passé. Dans la description, vous avez mon site internet si vous achetez du matériel, souris, clavier, etc. Merci à ceux qui passeront par mes liens, je touche des commissions et au moins ça vous sert de guide. Comme ça vous êtes sûr de ne pas acheter des choses qui sont, on va dire, de médiocre qualité. Et pour ceux qui veulent acheter des skins, vous avez mon site Skin Baron dans la description également où je touche des commissions. Et si vous voulez vendre votre inventaire, vous pouvez récupérer de l'argent réel dessus. Merci beaucoup les potos. Alors, groupe A, groupe B. Sur le groupe A, on a notamment G2. On va s'attarder d'abord sur Vitality parce que je sais que vous êtes là pour Vitality. Les frérots qui sont dans le groupe B avec Navi, avec Furia, avec Astralis, avec FaZe, avec Heroic, avec du lourd. Voilà, avec du très lourd. Et donc, on commence le premier match de Vitality. Plutôt convaincant, mais je vais bien mettre un mais. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, j'ai regardé ce match-là. On domine, on maîtrise, on élimine. Enfin, on envoie Furia dans le loser bracket immédiatement en les battant 2 à 0, 16 à 10. 16-14. Alors, tout simplement, retour des LAN, belle ambiance, belle motivation, belle énergie du côté des Français et surtout Furia qui prend l'eau. Voilà, tout simplement, on connaît l'ère du online avec le confinement, etc. Furia a explosé. Moi, c'était ça que je voulais voir avec les IEM Cologne, c'est voir si les équipes qui avaient des couilles sur Internet, qui couraient partout, qui traversaient les smokes, qui croyaient un petit peu que la map, elle était à leur daronne, je voulais voir en fait s'ils pouvaient assumer ce statut. Et le retour des LAN, c'est la pression, faire le mouvement au bon moment, etc. Et là, pour le coup, j'ai vu des Furia très fragiles. Très fragile, pas du tout entreprenant et tout ce qui va avec. Alors que Vitality, eux, ben voilà, en LAN, j'ai vu Apex très impactant sur ce match. Vraiment, pour moi, le MVP de ce match, c'est Ziwu, bien évidemment, parce qu'il a été absolument extraordinaire. Mais c'est également Apex, parce que franchement, hyper convaincant, très entreprenant, très agressif. Mais ça a été payant contre Furia qui, eux, ont eu peur. Eux ont eu peur, vraiment. De l'enjeu, je sais pas, mais ça se voyait qu'ils jouaient un petit peu avec le frein à main, alors que côté Vitality, belle maîtrise en tout cas pour ce premier match. On passe au tour suivant, et là c'est le gros morceau les amis. On affronte donc Navi avec le choc, voilà le choc, la grosse bagarre entre, encore une fois, le dieu Simple et le dieu Zinedine Ziwu. Et donc là, encore une fois, on remporte la première carte 16-14 très difficilement. Je pense que ça aurait pu partir dans les deux sens. De toute façon, vous le savez, quand il y a un 16-14, toutes les équipes auraient pu l'emporter. Ça se joue à des détails, ça se joue à des erreurs, ça se joue à des exploits, ça se joue un petit peu à des rounds chanceux, à des timings. Donc, à l'avantage de Vitality, 16-14, on prend. C'est Dieu qui donne, mais on prend. Derrière, on enchaîne sur Nuke, où on est absolument méconnaissable. Voilà, on se fait absolument terroriser. Le momentum n'est absolument plus là côté français. On n'ose plus. Beaucoup d'erreurs individuelles, notamment de la part d'Apex, là, pour le coup. Trop entreprenant, trop agressif, trop de repiques. Voilà, trop de confiance, trop de hero plays. Tu vois, trop de plays de super-héros, trop de situations où il veut gagner grâce à son move, grâce à l'information qu'il va pouvoir dégoter de cette agressivité. Et donc, il a été puni parce que Navi, on connaît, c'est une des meilleures équipes du monde depuis l'histoire de Counter-Strike, depuis la création de Counter-Strike Global Offensive, parce que c'est les meilleurs du monde en contrôle map. C'est eux qui punissent, c'est des joueurs très lents, c'est des joueurs vraiment qui maîtrisent à fond le contrôle map. Et donc, être agressif contre une équipe qui est extrêmement passive, je trouve ça, je sais pas, le plan de jeu, je sais pas. Et donc là, on est terrassé 16 à 5 sur cette carte de Nuke. Logiquement, j'ai envie de dire. Et puis surtout, voilà, électronique très fort, Perfecto, Beat. Ils ont été tous très bons. Franchement, très homogènes côté Navi. Et là, on enchaîne sur Mirage.
Donc une map que j'affectionne pas côté français. Voilà, historiquement, Mirage, c'est une map qui nous réussit pas. Et quand je dis historiquement, c'est historiquement depuis 6, 7, 8 ans d'histoire de CS français. Je trouve que sur Mirage, ben, notamment les CIS sont vraiment, je trouve, plus complets. Mais bon, c'est pas grave, c'est le choix du Mapool des Français. On assume et on y va. Et là, 16 à 10, ne vous fiez pas au score qui vous semble peut-être un petit peu équilibré. Je vais pas dire serré parce que 16 à 10, je trouve que c'est une maîtrise quand même de la part de Navi. Mais j'ai regardé le match et il y avait vraiment 15 à 5. Il y a eu vraiment beaucoup de balles de match. On a remonté un petit peu des rounds comme ça parce que Navi jouait lentement, voilà, sereinement. Ils ont attendu un petit peu le bon moment pour finir le match. Et ils ont fini le match à 16-10. Et surtout, Beat qui a été absolument extraordinaire. Simple, trop fort. Électronique aussi. Je les ai trouvés tous homogènes. Alors que nous, sur Mirage, personne répondait présent. Voilà, personne répondait présent. Les duels n'étaient pas remportés. Les tactiques, j'ai trouvé beaucoup trop précipitées encore une fois contre une équipe qui est très passive. Donc je sais pas si c'est comme ça qu'il faut jouer contre Navi. Bon, après je pense que Navi c'est une équipe qui est très difficile à jouer, hein, de manière générale. Mais on est éliminé. Enfin, on passe en loser bracket désormais. Et donc là, plus droit à l'erreur. Et on joue contre FaZe. Et là, encore une fois, FaZe, voilà, je rappelle à tous les gens qui ne suivent pas assidûment la scène compétitive de Counter-Strike que FaZe a recruté donc Karrigan il y a quelques mois. Donc c'est un nouveau leader in-game, donc nouveau style de jeu, nouvelle adaptation, donc il faut un temps d'adaptation, hein. Nous les Français, on aime bien dire ça, ouais, mais il y a un changement, il faut patienter, il faut attendre, ça va prendre, t'inquiète pas. Derrière, ils ont kické Kerba, ils ont kické Coldzera, là ils ont refait venir Olof Meister qui ne joue plus compétitivement depuis plusieurs mois, mais c'est les IEM Cologne, mais c'est les LAN, mais c'est les moments de où on voit les vrais hommes avec un grand Z, les hommes qui ont de la confiance, qui sont sereins, qui sont sûrs d'eux. Et FaZe m'a étonnamment surpris sur tout l'événement. Sur tout l'événement, ils ont été absolument extraordinaires. Et j'ai vu un 2-0 remporté par FaZe, amplement mérité. Mirage 16 à 11. Encore une fois, Mirage, une map qui ne réussit pas aux Français, je le dis historiquement. Et belle maîtrise de la part de FaZe avec un Karrigan que je trouve mais tellement, tellement impactant, incroyable. Je trouve qu'en fait, Apex, c'est une version moyenne de Karrigan. Voilà, Karrigan, il repush, bien évidemment, et tout. Et on connaît Karrigan. Il n'a pas la réputation d'être un joueur extraordinaire individuellement. Il n'a pas la réputation d'être un joueur spectaculaire avec un AM incroyable qui fait des exploits individuels à tout va. Et pourtant, il arrive avec une justesse à remporter les rounds de manière assez régulière, assez fréquente, parce que il est juste, parce qu'il sait qu'en push, quand il ne faut pas push, je trouve, voilà, qu'il est plus impactant, en tout cas je l'ai trouvé plus impactant que notre Apex au même rôle pour le coup. Leader in game, trio d'attaque, entry fragger, voilà, donc Karrigan exceptionnel et Olof Meister absolument, un support incroyable. Donc FaZe qui remporte la première carte 16 à 11, ensuite on va sur Mirage, sur D2 pardon, et là 16-14, alors ouais, ça peut aller dans les deux sens, hein. C'est une honte cette map, parce que c'est une map historiquement forte pour les Français pour le coup, et on a été... On a été écho 4 ou 5 fois, on perd 4 ou 5 échos, donc là, beaucoup d'erreurs, beaucoup, voilà, je sais pas, donc je vais mettre mon petit grain de sel personnel, où je vais donner mon avis. Je pense que FaZe était une marche trop haute, dans le sens où Mizuta Kyojin, je dis bien Mizuta Kyojin, je vais pas les prendre, je vais pas leur mettre la faute sur eux, mais je me dis que peut-être, jouer contre des noms comme Rain, comme Karrigan, comme Twist, comme Olof Meister, c'est des légendes de Counter-Strike. Et ces gens-là ont grandi avec eux. Et peut-être que c'est une marche trop haute parce qu'il y a de l'admiration, il y a du respect, il y a de la peur de les affronter. Donc peut-être qu'on n'ose pas contre eux comme on oserait contre d'autres équipes. Parce que voilà, FaZe, c'est pas forcément une équipe que Vitality a beaucoup joué récemment. Donc peut-être un peu d'inconnu, etc. Et bon, FaZe fait un énorme tournoi. Je rappelle que FaZe est qualifié pour les playoffs. Eux se sont qualifiés pour les playoffs et pas Vitality. Donc Vitality s'arrête ici. Donc ils finissent, je sais pas, 12e du tournoi, 12-16 je crois. Bon bref, dernier ou avant-dernier du tournoi. Donc prestation moyenne, je ne pense pas qu'on soit satisfait côté Vitality. Je ne pense pas qu'on soit satisfait côté fan de CS français. Et je ne sois pas qu'on soit non plus... satisfait de CS, du CS proposé de la part des Français actuellement.
Mais j'ai vu du mieux. J'ai vu contre Furia de voilà, un petit peu de confiance, un petit peu on y allait et tout. Donc j'ai vu du mieux, j'ai vu du Mizuta affûté, j'ai vu du Kyojin voilà, qui commence à monter en température, il commence un petit peu à monter en température, il y a du mieux. Ce que j'ai trouvé moins bien pour le coup, j'ai trouvé du très très bon par contre chez Ziwu, individuellement, attention il est revenu, hein. Il est affûté, il est tranchant l'animal là. C'est incroyable. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est Apex. Toujours la confiance, toujours... voilà, il donne de la voix, beaucoup d'énergie, etc. Il a même donné une interview à l'équipe où il disait « Je ferai tout pour qu'on m'entende. » Donc, en mode, on va crier, on va galvaniser, on va envoyer vraiment de la pression auditive à nos adversaires et on va essayer de galvaniser les coéquipiers qui nous entourent pour créer un élan de générosité de la part de tout le monde. Ce que j'ai moins aimé, par contre, alors là, je vais le dire, c'est Shox. Voilà, c'est Shox. J'ai trouvé pas au rendez-vous. Alors que c'est Shox. Moi, j'attends de lui une vraie star, un vrai scoreur, un vrai clutcher. Voilà, le mec qui fait les plays, quoi, le playmaker, quoi. Et là, clairement, j'étais un peu déçu des prestations de Shox. Donc à voir. Voilà, donc voici le parcours de Vitality. J'espère que ça vous a plu. Hein. Est-ce que vous voulez le groupe A? Est-ce que vous voulez pas le groupe A? G2 exceptionnel, voilà, je vais lâcher un petit mot très rapide. Donc G2 très très fort, très affûté, très solide. Ils ont battu Complexity, ils ont battu Big, ils ont battu Gambit en BO3 pour accéder directement aux demi-finales. Donc G2, attention, hein. Attention, très solide, très affûté individuellement, tout le monde est là, ça casse des gueules. Tactiquement, c'est très profond, très équilibré, très polyvalent. J'adore ce que nous propose G2 en termes vraiment de saveur tactique. C'est vraiment ce que j'aime de CS pour le coup, ce qu'ils nous proposent. En tout cas, les UM Cologne sont vraiment, vraiment, vraiment au rendez-vous. Les LAN, ça m'avait manqué. J'ai regardé Virtus Pro, j'ai regardé NiP, j'ai tout regardé. FaZe, j'ai regardé du Navi. C'était exceptionnel. Il y avait une autre ambiance, il y avait une vraie saveur. J'ai repris goût. J'ai repris goût à l'amour de Counter-Strike. J'espère que vous aussi. On like, on commente. Envoyez-moi vos ressentis sur Vitality, là. Est-ce qu'on commence un peu à se lasser, j'en ai marre du discours de on attend, mais il y a des jeunes, mais il y a ci, mais il y a ça, il y a FaZe, il récupère des retraités, bordel, il nous tarde 2-0, j'en ai marre.